Dans la mythologie nordique, souvenez-vous de Tyr, faisant partie du trio de dieux guerriers avec Thor et Odin. Eh bien, c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, et plus précisément d'un morceau de lui, sa main. Car si Tyr est l'un des dieux les plus connus, on le reconnaît souvent sur les illustrations par le fait qu'il n'en a plus. Et oui, il se l'est fait bouffer, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un nouveau générique. Comme toujours dans la mythologie nordique, on va faire dans l'originalité, ou pas, puisque ce récit du sacrifice de la main de Tyr est issu de l'Edda de Snorri Sturluson. Et quand je parle de cette Edda en prose, il faut savoir qu'elle se décompose en 3 à 4 parties. Certains diront 4 et d'autres 3, certains diront 3 et d'autres 4, mais pour continuer dans la digression, pourquoi une telle distinction? Parce que l'Edda de Snorri est composée de 3 parties et d'un prologue. Cette quatrième partie donc est sujette à controverse, puisque les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour savoir si c'est Snorri Sturluson qui l'a vraiment écrit. Bref, on va dire 3 pour être sûr, mais peut-être 4. Le sacrifice de la main de Tyr est évoqué à 2 reprises dans la première partie de cette Edda, le Gylfaginning. La première fois, un peu rapidement, dans le chapitre 25, pour évoquer le courage mais aussi un peu l'inconscience de Tyr lors de l'événement. La seconde, dans le chapitre 34, nous détaille plus en détail cette histoire, et ça vaut son pesant cacahuète. Commençons tout d'abord par présenter le protagoniste principal de l'histoire, le loup Fenrir. Fils de Loki, les dieux l'acceptent dans un premier temps en Asgard, et ça se passe bien. Cependant, il y a un souci, le loup grossit encore et encore et encore. Il devient quelque peu agressif, et la prophétie du Ragnarok annonce que le loup aura un rôle significatif dans la mort d'Odin. Quand je dis significatif, il faut comprendre par là qu'en fait il le bouffera tout cru. Bref, quelque peu refroidi, les dieux ont de plus en plus de mal à ne serait-ce que nourrir Fenrir. Ils en ont peur. Tyr, le dieu guerrier, le plus courageux de tous, est le seul qui prenne la peine d'accomplir cette tâche. Cependant, le loup continue de grossir et de faire peur. Les As, les dieux d'Asgard, décident alors de l'enchaîner pour le réduire à l'état d'un petit chiot inoffensif. Sauf que Fenrir, il n'est pas bête, il ne va pas se laisser faire aussi facilement. Ah, autant pour moi, on me signale qu'il serait potentiellement limité intellectuellement et que sous la prose des dieux, il se serait laissé convaincre. En effet, les dieux proposent au loup un défi cap ou pas cap, en lui demandant de se laisser attacher et de leur prouver sa force en brisant les chaînes qui le retiennent. Acceptant sans hésiter un défi aussi facile à remporter, Fenrir parvient par 2 fois à briser les liens qui le retiennent. C'est un échec pour les dieux et ils réfléchissent à une autre solution. Ils envoient alors un messager, Skinir, rendre visite aux nains afin de leur demander de construire une chaîne indestructible, Gleipnir. Cette dernière est fabriquée avec des ingrédients absolument introuvables. Des nerfs d'ours, du crachat d'oiseaux, de la laine de poisson, des bruits de pas de chat, des racines de montagne et enfin de la barbe de femme. Ça c'est très étrange, hein, parce que moi la semaine dernière, je suis persuadé d'avoir croisé une femme à barbe dans le métro. Une fois terminé, les dieux reproposent le jeu à Fenrir, mais quelque chose titille ce dernier, ce n'est pas clair. En effet, l'aspect du lien ressemble plus à un ruban qu'à une vraie chaîne. Fenrir s'exclama alors « Non mais les mecs, c'est pas que j'ai pas confiance en vous, hein, mais j'ai juste l'impression qu'il y a anguille sous roche. » Afin de garantir sa propre sécurité, il fait une demande aux dieux, que l'un d'eux place sa main dans sa gueule. Un gage de confiance. Plus enclin à rigoler qu'à passer à l'action, ces derniers, bizarrement, ne réagissent pas beaucoup. C'est alors que Tyr, emporté par sa hardiesse, accepte de se soumettre aux conditions du loup. On attache Fenrir, Tyr place sa main entre les dents de la bête, et vous vous doutez de la suite. Le lien étant magique, Fenrir est incapable de se défaire de son emprise. Les dieux éclatent de rire, bien trop heureux d'avoir réussi leur coup, et en échange, Tyr se fait arracher la main. C'est le seul qui devait pas rigoler. Fou de rage, Fenrir est condamné à attendre patiemment la venue du Ragnarok, car la prophétie annonce que lors de ce jour, tous les liens seront brisés. Fenrir pourra alors gambader joyeusement, se vengeant au passage, comme nous l'avons vu tout à l'heure, contre le dieu des dieux, Odin. C'est déjà la fin de cet épisode, n'hésitez pas à me proposer des sujets pour ces mythes et légendes, que ce soit en rapport avec la mythologie nordique ou la mythologie grecque que nous avons déjà abordée. De mon côté, j'ai déjà quelques sujets, mais on sait jamais, je pourrais peut-être orienter les prochains épisodes en fonction de vos avis. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions par vidéo pour participer au nouveau format questions-réponses à l'adresse notabenequestions@gmail.com. Et si vous avez des enfants en école primaire ou que vous en connaissez, ils peuvent également m'adresser leurs questions, alors que ce soit par fichier audio qu'ils joignent à un mail à notabenequestions@gmail.com
ou en me laissant un message vocal en précisant leur âge et leur prénom au 06 47 56 65 14. Attention, ça n'est que pour les enfants et je ne répondrai jamais au téléphone. Encore un grand merci à vous, n'oubliez pas le Tipeee et les réseaux sociaux, et surtout n'oubliez pas de partager, c'est grâce à vous que la chaîne évolue tous les jours. Allez, à la prochaine.